Ah tiens, tu vas bouffer. Merci pour le transport. Espèce de bus. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc, dans cet épisode, on va retourner un petit peu dans la Lost River, maintenant qu'on a légèrement amélioré en termes de profondeur notre Prawn que l'on va nommer. J'ai aussi un bon nombre de commentaires à voir, j'ai plein de choses à faire dans cet épisode, mais avant tout, le fusil à stase, qui m'a été recommandé, si je me trompe pas, par Monsieur Incendie, apparemment, qui a mal pris le fait que j'y ai dit que son pseudo était pas terriblement écrit. Apparemment, son pseudo vient du latin incendio, incendié. Oui, bon, bah pourquoi incendie avec un T, je ne comprends toujours pas, je n'ai pas fait latin. Je vais déconseiller le réacteur nucléaire, il faut fabriquer des barres de combustible avec des minerais. Motivational note. Craig McGill crash-landed in the acid swamps of Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers, and hijacked a tamed Star War. D'accord. Et j'ai l'impression de me faire disputer, mais c'est pas grave. Genre t'es mauvais, mais on t'en veut. Hop, je vais peut-être garder juste un truc comme ça. Ça, je vais le garder aussi, on m'a conseillé justement de le garder. Le réacteur thermique peut être utile pour une base secondaire, car vu qu'il ne requiert pas de présence humaine. Le bioréacteur reste le plus pratique au niveau rendement et consommation. Également, c'est de voir dans tous tes véhicules un pack de survie, donc vous voyez, c'est pour ça que je l'ai pris. Hop. Je voulais voir aussi au niveau des modules ici, donc ça je l'ai. Réacteur thermique, recharge la batterie, haute capacité dans les zones chaudes. Ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut. Ça pourrait être aussi extrêmement intéressant, mais le soufre cristallin, je ne sais pas du tout où il faut le trouver, dites-le moi dans les coms. Ça on l'a mis, ah oui, donc je voulais voir aussi, voilà, le MK2 justement, où est-ce qu'il allait. Pour la machine d'infiltration, 2 suffisent largement, attention à la consommation d'énergie qui peut vite grimper. Donc ça c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Et voilà, le distance, je sais toujours pas où l'avoir, donc c'est pas grave pour le moment. On n'a pas plus d'informations. Ok, cool. Donc, on retourne dans la zone de danger. Ah, c'est toujours aussi serré. Oh putain, tu m'as foutu les boules. Mais non, c'est pas une attaque. Calme-toi. Même si j'ai perdu quelques PV, ce n'est pas une attaque. Bonjour, monsieur le Warper. On va essayer de descendre à 490 mètres. Tout en continuant. Hop. Alors, pour le comment. Alors, attendez. Hop. Incendie m'a aussi dit, tu risques d'avoir besoin d'énergie. Cultive l'huile de sang pour le bioréacteur. Le cyclope ne consomme pas énormément, mais si tu actives le mode silencieux, comme je l'ai actuellement, il va effectivement consommer beaucoup plus. Je touche. Bon, on va commencer à descendre. Si tu utilises l'émotion sueuse, ça va descendre une vitesse incroyable, donc comme je le disais, effectivement. De toute façon, à 480 mètres, on va couper le moteur. Quand tu rencontres une plante qui te sert dans tes crafts, pense à la cultiver. Bon, ça pour l'instant, je suis en train de commencer à le faire. Reste à savoir ce qui va être utile ou pas dans mes crafts. Pourquoi t'es en rouge? T'es éteint, peut-être. Bon. Je fais de la merde. Hop. Le premier truc utile pour les sons de farming, cependant, il faut utiliser les bons bras, etc. Forage et rapin sont très utiles, mais ne permettent pas de récupérer les ressources comme d'habitude. Oui, j'ai bien compris. Oh, il y a des calés, mon pote. Ok, c'est la chute. Parfait, ça me rappelle vaguement quelque chose. Dans ma partie, j'ai laissé mon siglet dans ma base. Je ne l'utilisais que peu de fois, finalement. Ah. Je sais que j'allais avoir le temps de quelque chose. Ah, là non plus. Tac, voilà. Également, je te conseille de chercher et d'explorer les bases aliens. Ça tombe bien. C'est plus ou moins ce qu'on fait. Personne suivante. Marcus, le bac agriculturiste va pas faire pousser les sacs gélatineux et encore d'autres. Mais ça, je suis au courant, je l'ai déjà fait. Alors voilà, Cree, je te conseille d'aller directement à la base alien qui t'arrive à trouver. Je ne te spoil pas, machin, tout ça. Te permettra de te téléporter à d'autres endroits. Bon, oui, ça c'est faisable. Alors très pratique, je ne sais pas si c'est si pratique que ça. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça reste quand même aller à un endroit A.
sur laisser le véhicule à l'endroit A et se téléporter à un point B, c'est-à-dire très très loin d'un gros véhicule. Et on est à 800 mètres. C'est quoi le truc au milieu? Bon. Ça a pas l'air trop agressif comme endroit. Quartz. Pour l'instant en tout cas. La seule chose qui me dérange, c'est comment j'atteins l'autre côté. C'est quoi ce truc? C'est joli ça là-bas. Et donc tu pourras soi-disant te déplacer plus vite à travers la map. Bon. Ok, ce son là je le connais pas par contre. Wow! Ah oui, 55 degrés Celsius, effectivement, j'avais pas percuté. C'est chaud. Qu'est-ce que t'es? On dirait un bout de... de bestiole. Dan, ça pourrait presque être intéressant. Ah oui, il y a des cheminées et tout. Bonjour. Donc c'est par là que je rentre habituellement, c'est ça? Et c'est à l'autre bout que je ressors, d'accord, ok. Le prone, on peut l'appeler Aquaman. Bah, on verra comment on va l'appeler. Aquaman, c'est peut-être pas sympa. Alexis Klein, par contre, dit que pour le prone, je pourrais l'appeler Poséidon, ce qui est bien plus stylé vis-à-vis de ce que j'apprécie comme littérature et autres mythologies. Le prone de fer, pourquoi pas. James Brown, de la part de Rico Z, toujours. Donc, des choses sympas. Voilà, on a fait le tour, donc on va bien voir plus ou moins. Donc, continuez à m'aider, à me conseiller sur quoi faire, comment faire. Oh, t'as du bol. Viens voir papa. Viens voir papa, t'es où? T'es où? Papa, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Je vais pas te louper. Où t'es, où t'es, où t'es? Ah tiens, tu vas bouffer. Merci pour le transport. Espèce de bus. Il est où? Lui, je l'ai eu. Apparemment, il est plus ou moins mort. Bon. Là, je vois... un truc alien. Un deuxième truc alien. Ah. Ah, un troisième truc alien, apparemment. Alors, est-ce que c'est par là que je viens? Je crois pas, je viens plutôt de l'autre côté. Bon, on va par là. En espérant que le danger vienne pas d'ici. Ouh. Ça en fait de la fumée. Ça a l'air sympa dans le... Wouah. Il y a une bestiole qui vient de passer à travers le mur. Là, juste là. Bon, bref. Dan, toujours dans du plomb, ça, oui. On dirait un gros pied. Ah merde. Aïe. Bon. Maintenant le tout ça va être de se déplacer suffisamment loin pour atterrir dessus. Je touche. Là, je me suis cru presque au... Comment ça s'appelle? À l'escrime. Ok. Bon, on est au-dessus, ce qui veut dire que s'il devait y avoir une bestiole... Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads. Caution. Hazardous materials and life forms contained within. Ok. Génial. T'es en train de me dire qu'il y a des machins qui veulent me bouffer à l'intérieur. Allez, je veux rentrer. Merci. Bonjour. Alors oui, il y a des bestioles qui, oui, potentiellement, oui, veulent me bouffer. Mais ce n'est pas... T'es sûr? Putain, j'ai pas à avoir assez de... J'ai pas à avoir assez de... Comment de... De tablettes, justement. À tous les coups.
Une tablette verte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est pas une tablette? Terminal de données, merde, autant pour moi. Données de recherche sur les spécimens. Ok, vendu. J'aurais dû en mettre deux ou trois dans la... dans le sac à dos. Hop. Salut les filles! Ça me fait penser aussi que j'ai rien pour boire un coup, ni rien. J'aurais peut-être dû faire plus attention. Ah, t'es sérieux? Ok, c'est quand même assez flippant. Avec leur anu. Bonjour. Rapport de dommage. Comment ça, de dommage? Oh! D'accord. Un gros piranha. Ni plus ni moins qu'un gros piranha. Attends, je peux rentrer là-dedans? Qu'est-ce qu'il a bouffé? Reste squelettique. Si j'étais un développeur... Mais non. Ok, là par contre il y a des choses bizarres. Ah oui, d'accord, les warpers. Voilà les warpers. Éléments de warper, voilà, c'est ça. Ils ont créé les warpers. Ils ont littéralement créé les warpers. Génial. Ça c'est de la super bonne nouvelle, merci les mecs. Sympa, je subis à cause de vous, quoi, merde. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self-scan is strongly advised. Qu'est-ce qui m'arrive? Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the... What? Je suis pas en forme. Je suis absolument pas en forme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis fait empoisonner encore plus dans ce truc. Génial, bah me demande pourquoi je suis venu. Ok, alors je viens chercher de la bouffe. Je viens chercher de la bouffe. Et apparemment, il s'est vidé toute son énergie. Pour une raison absolument inconnue, il s'est vidé de toute son énergie alors que le moteur était éteint. Vous l'avez tous vu. Donc j'ai plus d'énergie là-dedans. Donc j'étais obligé d'aller chercher toutes les piles. Je vais aller toutes les chercher. Fuck it, fuck it. Bon, en tout cas, cette fois-ci, on part où? On est parti à gauche la dernière fois. On peut partir tout droit ou à droite. Donc tout droit, non, tout droit, il n'y en a qu'un, apparemment. On va partir à droite. On va bien voir. Avec l'espèce d'œuf, là. On m'a appris que c'était un œuf. Ce qui est assez inquiétant, reconnaissons-le. Bonjour. Oh là, vous êtes infectés aussi, vous, les filles, hein. Ça ne va pas. Arbre de cric géant. Pim pam poum. Ok, là c'est grand par contre. Là c'est vachement grand. Et ça semble être un cul-de-sac. Wow. Apparemment non. Vu la vitesse à laquelle elle sort de là, ce n'est pas un cul-de-sac. J'ai quelque chose dans le coin. Non. Alors j'ai que 1300 mètres de profondeur, hein. Je dois faire très attention.
Et je pense pas que j'atterrirai beaucoup plus bas. Vu que là, je suis à 1000 mètres. Je pense qu'il y a encore 100 mètres là et 200 mètres après. On va voir, on va faire le test. Hein. Test, test, testicule. Hein. Il y a le Warper qui est là-bas. Attends. Oula. 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 Oh! Alors, est-ce que c'est l'active ou l'inactive lava zone? Je sais plus. Ça a l'air actif, hein, selon moi. Hein. Parce que vous, vous en pensez. Ça a l'air quand même sacrément actif. Il n'y a pas grand chose en termes de. De compo, si je puis me permettre. Ok, ouais, ça va peut-être. Je viens de comprendre. Oui, les compos, ils vont être un peu plus profonds, c'est ça? Peut-être que je suis pas du tout aussi sur le chemin le plus rapide pour me rendre dans cette chose-là, et du coup, je ne suis pas en mesure de m'y rendre pour le moment correctement. Je ne sais pas. Je veux dire, je vois aucun nouveau compo, quoi. Si encore, j'en voyais de temps en temps, pas suffisamment, mais de temps en temps, je dirais, bon, pas trop mal, normalement. Ah, par contre, je trouve plus la sortie. Ça, c'est plus problématique. Waouh! Ah bah je savais pas qu'on pouvait passer sous cette fameuse eau. Intéressant. Je m'en serais jamais douté. Je ne m'en serais jamais douté. Il y a du lithium à foison ici. Je vais farm ce lithium. Bon, cette fois-ci, si tu t'ouvres pas et tu me dis que t'as plus de batterie, je râle. C'est bon. Ok, cool. Merci. Bon. Je me sens un peu coincé quand même. Tu grimpes dedans ou... Ouh là là. Comment ça en chie? Oh là. Ah oui, ça en chie tellement que je suis complètement bugué. Merde. Bon, c'est pas trop mal. Allez, on y va, on monte. Et on va aller pas là où je suis censé aller. On va continuer dans les profondeurs et on va aller continuer en fait tout simplement à nous balader, casse-toi, à nous balader dans ce biome. Je pense qu'on va partir plein nord. Ah, où est-ce qu'il est le nord? C'est bon, et on y va. Fuck it. Je pense que si je fais gaffe, il n'y a pas trop de risques. En silent running, à 60% je ferai demi-tour et on verra bien. Et je vais avancer et je vais récapituler. Ce que j'aimerais avoir comme information. Ah bah le Vla. Le Vla, le Reaper, Leviathan. Le Ghost Leviathan, pardon. Oh putain, il est en plein milieu, quoi. Donc ce que j'aimerais avoir comme information, c'est est-ce que je dois aller dans l'inactive lava zone ou pas? Si je dois y aller, est-ce que je dois y aller maintenant ou plus tard? Non, c'est bon. Demi-tour. Tu me fous les boules, connard. Il m'a vu. Putain, il est aveugle ? Il est complètement aveugle en fait. C'est ça non le truc avec lui? Qu'il soit complètement aveugle? Je me suis pas. Non, c'est bon. C'est pour ça qu'on m'avait dit qu'il fallait que qu'il m'entende. Par contre, je suis pas du côté de la base et je vois pas du tout où je vais. C'est génial. Je ne sais pas du tout où je suis, ce que je fais et où je vais. Bon, fuck it pour le silent running. Vitesse 2. N'ayons pas peur. Ok. Ok, d'accord, ok. Je vais me taper dans un mur. Why not?
Explorons. Donc, est-ce que je dois aller dans la lave? Est-ce que j'ai fini avec la Lost River? Est-ce que j'ai fini avec la Lost River? Est-ce que je dois aller dans l'inactive lava zone maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est nécessaire? Il n'y a rien en fait dans ce truc. Même pas de danger. Et même pas de profondeur. What? Ah, ça y est, le fond. Le fond du fond. C'est quoi ce bordel? Je suis où? Hein? C'est l'entrée de la... Non. Non. Ok, il y a un... Regarde, parce que c'est assez sombre. Et du vert. Ça c'est un point de téléport, ça. Ça, c'est un point de téléportation où je ne m'y connais pas. Ah, vas-y, finis ta croissance. Est-ce qu'il y a d'autres entrées? Si oui, dites-moi plus ou moins dans quelle région. Pas trop précisément, mais suffisamment pour que... Santé 53, t'as pris cher en bas? Où est-ce que... Si je me plante complètement, où est-ce que je dois aller? Si vous me conseillez peut-être d'autres améliorations avant d'aller plus loin, c'est possible aussi. Au niveau du Prawn, hein, je veux dire. Ça, j'en ai pas. Je devrais peut-être en avoir, d'ailleurs. Aïe, mais je suis au courant de ça, que t'allais me faire du mal. Voyons voir. Quoi, t'es sérieux? Faut que je revienne là? C'est impossible que je retrouve cet endroit. Alors attendez, 387 mètres dans un trou. C'est surtout ça. C'est surtout ça, je crois, qui est intéressant. 387 mètres dans, littéralement dans un trou. Vous voyez, c'est une cuvette. C'est une cuvette. Je vais le noter. Désolé, je vais le noter parce que là, je pense que je vais l'oublier. Slash, ne pas le retrouver. Je vais le noter. Hop. Allez, gare-toi. Merci. Nord-ouest de la base. Voilà. C'est noté. Crac. Comme ça, je saurai. Je rentre à la base, chers amis. Je ne vais pas vous laisser là vis-à-vis du Prawn. On va donc le préparer. Oula, oula. Santé 94. T'es pas complètement réparé, toi? Hop. Oh, qu'est-ce que j'ai été malin quand j'ai posé cette truc. Qu'est-ce que j'ai été malin. Ok. Et donc, ce sera... Pardon, je vais y arriver. Poséidon. Il sera coloré en noir. Avec le nom en blanc. Non, il sera coloré ici en noir. Les bandes seront... d'un joli bleu. Et l'intérieur sera... On peut avoir un petit côté doré, peut-être. Voilà, c'est peut-être pas trop mal. Crac. Gardez-moi cette beauté. Waouh, la classe. Peut-être que le noir est un petit peu trop profond. On va le modifier légèrement. Ça peut paraître couillon de dire ça comme ça, mais... Voilà, un petit peu plus gris. Que le noir profond, c'est une couleur qui n'existe pas en vrai, hein. Voilà, on est bon. Bon, du coup, vous avez tout rechargé. Le machin est actif encore, génial. Ça montre à quel point c'est puissant, ces huiles de sang. Donc merci à vous pour ce conseil, je vais aller en rechercher quelques-unes. Et je vous retrouve dans le prochain épisode avec vos conseils, qu'on va essayer d'appliquer cette fois-ci jusqu'au bout. Mais encore une fois, j'ai besoin encore de votre aide pour certaines choses. Voilà. Salut les gens! Thank you.